Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce journal à la une de cette édition. L'une des causes de la surpopulation carcérale serait que certains détenus condamnés à une contrainte par corps pour dettes civiles qui ne sont pas considérées lors de la grâce présidentielle. C'est l'analyse de maître Fabien Segatois. Il suggère au ministère de la Justice d'agir selon les directives du président de la République. Les prix de certains aliments comme le riz ne cessent de grimper aux différents marchés de la mairie de Bujumbura. Notre reporter Ornella Mucho a fait le tour au marché Kotewu qui se situe en zone Ngagala, nous en dira plus au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Les détails tout de suite. Bienvenue encore une fois. Je venais de vous le dire en titre. Les prix de certaines denrées alimentaires continuent à grimper dans différents marchés en mairie de Bujumbura. Au marché Kotewu en zone Ngagala, le prix du riz communément appelé Umurundi passe de 3 800 à 4 000 francs bout. Les acheteurs s'inquiètent de cette hausse sur les produits de première nécessité, tandis que les commerçants indiquent que plusieurs facteurs sont à l'origine, entre autres la quantité insuffisante des produits. Tous demandent à l'État de réguler ce prix. Ornella Mucho, reportage. Arrivé au marché dit Kotebu, c'est en zone Ngagala, au nord de la ville de Bujumbura. On constate que les consommateurs n'achètent pas aisément les produits alimentaires suite au prix qui ne cesse d'augmenter. Le riz tanzanien première qualité, qui s'achetait à 6500 francs burundais le kilogramme il y a deux semaines, s'achète aujourd'hui à 7000 francs burundais. Cette hausse s'observe aussi sur le prix d'un kilogramme de la viande qui est passé de 16 000 à 18 000 depuis les fêtes de fin d'année 2020. Le prix de petits poissons communément appelé Ndagala est passé de 40 000 à 68 000 par kilogramme. Les consommateurs disent être dans le désarroi suite à cette hausse des prix. Les prix des denrées alimentaires augmentent au jour le jour. Par exemple, le riz était à 2 600 par kilo, puis à 4 000 jusqu'à 6 500. Même chose pour le prix de la viande. Elle a sensiblement augmenté de 3 000 jusqu'à 5 000 francs de plus. La vie est devenue trop chère, car avec 20 000 francs, il est impossible de faire nourrir la famille. Les prix ne cessent d'augmenter. Par conséquent, le montant prévu avant d'aller au marché devient toujours insuffisant. Et cela nous crée des problèmes. Un des commerçants évoque que l'une des raisons est qu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire la demande. Les facteurs sont multiples. Par exemple, il peut s'agir d'une mauvaise récolte. Autre chose, suite à la cherté de la vie, cela s'applique aussi sur la hausse des prix des produits phytosanitaires et cela se répercute sur la hausse des prix des cultures. Tous demandent au gouvernement de réguler les prix à partir des producteurs jusqu'aux vendeurs. Que les responsables dans le domaine de l'agriculture et du commerce prennent en main ce problème pour pouvoir l'identifier afin de trouver les stratégies de réguler les prix. On demande à l'État de diminuer les prix tout en se basant sur les conditions de vie de la population burundaise. Il faut que les produits alimentaires soient d'abord disponibles en quantité suffisante et puis réajuster les prix.
Toutefois, les prix de certains produits alimentaires, comme les pommes de terre et haricots, ont baissé des montants variant entre 200 à 500 francs burundais. Ornella Mucho, merci pour ton reportage. Page politique. À présent, la Commission électorale nationale indépendante CENI doit tout faire pour qu'il n'y ait personne qui soit écarté du processus électoral. Déclaration faite ce jeudi par le président du parti CNL qui indique que son parti n'est toujours pas autorisé à organiser ses activités. Agathon Gwasa estime que la Commission électorale nationale indépendante devrait également mettre ses priorités, la rencontre avec tous ceux qui vont participer à ces élections afin d'échanger sur les instruments juridiques en rapport avec les élections. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que la première priorité pour la CENI et pour tous les autres Burundais d'ailleurs, serait d'abord de tout faire pour que le parti CNL soit réhabilité, soit rétabli dans ses droits. Parce que les élections qu'on va tenir en 2020, ce sont des élections des Burundais et nul ne devrait en être exclu. Malheureusement, nous voyons que l'exécutif fait tout à travers le ministère de l'Intérieur, fait tout pour écarter le parti CNL du processus électoral de 2025. Et une autre préoccupation qui n'est pas des moindres, c'est que le fichier électoral doit être bien établi. Et à la matière, j'ai du mal à comprendre pourquoi on traîne les pieds à délivrer la carte d'identité biométrique qu'on avait pourtant promis. J'en veux pour preuve le fait que depuis que le ministre a fait une sortie médiatique à ce propos, je n'ai nulle part entendu parler de la délivrance de cette carte. Quand est-ce qu'on le fera ? Où on est en train de jouer les retardateurs pour que, à la dernière minute, on nous dise qu'il n'est plus question de carte d'identité biométrique et qu'on réédite encore les scénarios du passé, les scénarios du passé. Ou même des gens décédés ont donné des procurations. Ça n'arrive qu'ici chez nous. Et une autre chose qu'il faut quand même tenir rigueur, tenir en considération, c'est quoi? C'est que les élections, ce n'est pas une affaire de la CENI et du gouvernement. Même si la CENI a été mise en place de façon pas très recommandable, on a le devoir de rencontrer ceux qui participent, ceux qui devront participer à ces élections. On ne sait pas ce que l'on attend pour qu'il y ait des échanges, notamment sur les instruments juridiques en rapport avec ces élections-là, lesquelles, elles aussi, tardent parce que le gouvernement a énoncé avoir déjà analysé ce projet de loi, d'avant projet de loi au niveau du gouvernement. Pourquoi est-ce que le texte n'a pas été envoyé jusqu'ici à l'institution parlementaire? Est-ce qu'on est en train d'améliorer ou on est en train d'en rajouter aux propositions déjà qui sont vraiment porteuses de tant d'inquiétudes, notamment les cautions et autres, les conditionnalités qu'on pose et qu'on a du mal à nous expliquer. Mais aussi, on doit savoir que bientôt, c'est la loi qui a été promulguée au mois de mars dernier qui sera mise en exergue lors des élections prochaines, où l'on passe de 119 communes à 42, 18 provinces à 5. Et donc, il y a du boulot à faire quand même. Maintenant, si le code électoral doit rimer avec cette loi portant des limitations et organisation des communes, provinces, zones et collines, gens et consorts, pourquoi est-ce que justement on ne puisse pas considérer que le facteur temps est un facteur très important et qu'il ne faut pas quand même négliger? D'autre part, le verrouillage de l'espace politique, c'est quand même un sujet de débat parce qu'on ne voit que le CNDD-FDD en activité, sinon les autres partis, du moins pour le CNR, c'est paralysé et le ministre en a rajouté encore une bémol en nous qualifiant de terroristes.
Toujours page politique, mais cette fois-ci en province, la cohabitation entre les militants des différents partis politiques dans les communes Kayanza et Kawarore de la province Kayanza s'est améliorée ces derniers jours grâce à la formation sur la cohésion sociale animée par le Conseil interconfessionnel du Burundi. Abbé Naomvukiye Apollinaire, représentant provincial de la plateforme de ce conseil à Kayanza, appelle les représentants des formations politiques à consolider cette cohésion sociale. C'était ce jeudi à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de sensibilisation sur les renforcements de la cohésion sociale en commune Kawarore. Correspondance de Patrick Nsengiyumva depuis Kayanza. Cet atelier de sensibilisation sur le renforcement de la cohésion sociale entre différents groupes et présentant la différence d'appartenance politique et religieuse a vu la participation des membres des plateformes communales Kayanza et Kawarore. Venant Barutwana, secrétaire communal du parti CNLA Kayanza, fait savoir qu'aujourd'hui, en ce qui est de la cohabitation entre les membres de différentes formations politiques en cette commune, il y a à léger mieux. Le secrétaire du Congrès national pour la liberté en commune Kayanza indique que les enseignements sur la cohésion sociale donnés par le Conseil interconfessionnaire du Burundi ont été d'une grande importance. Même propos avec Niyonkuru Janvier, une jeune fille Imbonerakure en commune Kabarole. Celle-ci espère d'ailleurs que si cette cohabitation pacifique entre les membres de différents partis politiques continue à la même lancée, sans doute que le pays se développera les jours à venir. Et Barutwana Yovena, secrétaire du CNL en commune Kayanza, de même que cette jeune fille Imbonerakure en commune Kawarore, tous demandent aux jeunes affiliés aux différents partis politiques de ne pas se laisser instrumentaliser par les politiciens mal intentionnés à la recherche de la protection de leurs intérêts personnels. Abbé Apollinaire Naomvukiye, représentant de la plateforme provinciale du Conseil interconfessionnaire du Burundi, apprécie positivement que les membres des différentes formations politiques à Kayanza s'unissent ensemble pour exercer ensemble des activités de développement communautaire et d'autres activités qui revêtent un caractère humanitaire. Il demande aux représentants des partis politiques de s'imprégner de ces enseignements sur la cohésion sociale afin de les vulgariser aux membres des partis politiques qui les représentent. Certains détenus condamnés à une contrainte par corps pour dette civile qui ne sont pas considérés lors de la mise en application de la grâce présidentielle. C'est l'une des causes de la surpopulation carcérale. C'est du moins la lecture faite par Maître Fabien Segatoua au moment où le chef de l'État parle du désengorgement des prisons par la grâce présidentielle. Maître Fabien Segatoua recommande au ministère de la Justice d'agir rapidement suivant les directives du président de la République. Une fois qu'il a donné les directives, les responsables qui doivent maintenant se mettre à l'œuvre pour voir effectivement les gens qui sont en mesure de bénéficier de la grâce présidentielle. Maintenant, les gens sont à l'œuvre dans toutes les prisons, dans les parquets, partout. Ils sont aujourd'hui en tout cas à l'œuvre pour déterminer justement les gens qui pourront bénéficier de la grâce présidentielle. Évidemment, il est vrai qu'à cette occasion, ils peuvent voir qu'il y a des gens qui sont emprisonnés irrégulièrement et en ce moment-là, ils demandent leur libération. Les gens devraient comprendre que si la loi n'est pas respectée, il y aura toujours une surpopulation carcérale. Maintenant, les gens sont reprochés d'avoir volé ou détourné des millions. À supposer que quelqu'un est poursuivi pour avoir détourné 100 millions et que le juge le condamne à la prison par contrainte et par corps par tranche de 6 mois pour 100 000. Donc vous allez avoir des gens qui seront condamnés à 50 ans, à 100 ans, à 200 ans, à 500 ans de contrainte et par corps. Donc ceux-là n'espéreront jamais quitter la prison. Maintenant, ces gens-là sont tous emprisonnés pour des dettes civiles. Il faudrait maintenant aussi songer à cela et essayer quand même de trouver une solution pour que ces gens-là soient libérés.
soit on vend ce qu'ils possèdent et on se paye, soit on constate qu'ils sont indigents, parce que la loi dit que lorsqu'on est indigent, on ne peut pas accomplir une contrainte par corps. Eh bien voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.